Pour cette réunion en ligne de l'Église Le Portail. Je me présente Maxime Desormeaux, je suis le pasteur de notre Église de Terrebonne. Et si tu es avec nous pour la première fois, eh bien, j'aimerais simplement te présenter notre Église en quelques minutes. D'abord, l'Église Le Portail, c'est une Église en plusieurs lieux à Laval, à Terrebonne, à Saint-Eustache, en Abitibi, et aussi, au courant de la prochaine année, nous allons ouvrir notre cinquième site à Montréal-Nord et aussi où Dieu nous conduira dans le futur. Notre mission est la suivante, de faire découvrir à tout le monde que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si tu désires en savoir plus, je t'invite à visiter notre site Internet au www.EgliseLePortail.com ou notre page Facebook afin de connaître nos différentes heures de réunion et l'adresse de nos sites. Notre Église offre différentes activités hebdomadaires. D'abord, il y a CLIC pour les enfants de la naissance jusqu'à 12 ans. C'est fait par des bénévoles extraordinaires dans un environnement sécuritaire et stimulant avec un message adapté pour leur âge. Et ce, sur tous nos sites lors de nos réunions. Notre ministère Accès pour les ados et Partage Jeunes Adultes pour les jeunes adultes a aussi lieu les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Vous pouvez visiter leur page Facebook ou Instagram pour plus d'informations. Aussi, nous avons des petits groupes qui se réunissent dans les maisons ou même dans leur église pour discuter, échanger, connecter et prier ensemble. Vous pouvez écrire à notre équipe à petitgroupe en commercial portail.com pour des infos supplémentaires. Finalement, nous nous concentrons à prêcher la croix de Jésus et ce à SA chaque semaine, un message qui est transformateur et qui peut impacter ta vie. Alors ouvrons nos oreilles, ouvrons notre cœur pour entendre cette bonne nouvelle aujourd'hui. Bon matin tout le monde, encore une joie de vous apporter la parole de Dieu. Nous continuons notre série dans le livre de Job. C'est presque terminé. Et cette série se nomme Perspective. Donc, mesdames qui avez accouché, est-ce que le jour de votre accouchement, ça a été un jour douloureux? Oui, généralement, on dit même le, le jour le plus douloureux de ma vie. En tant qu'homme, je ne sais pas si c'est vrai, je présume que ça fait mal à coucher, qu'il souffrance. Mais en même temps, c'est le jour le plus heureux de votre vie. Donc, la souffrance donne naissance à quelque chose. Et dans la Bible, on voit que souvent de fois, nos épreuves, notre souffrance a un sens en Dieu et elle donne naissance à quelque chose. Et un des problèmes des chrétiens, c'est que nous croyons en Dieu, c'est pas un problème. Mais le Dieu de la Bible est souverain. Ça veut dire qu'il contrôle les moindres détails, il contrôle les grandes choses comme les petites choses. Et ce Dieu, la Bible nous dit qu'il est juste. Donc, il contrôle et il contrôle de manière juste. Et la Bible dit que Dieu est actif dans le monde, qu'il bénit ses enfants et qu'il rétribue. Le problème, lorsqu'on a une épreuve, le chrétien, nous avons une sorte de crise de foi. Parce que comment concilier le fait que nous avons un Dieu qui est souverain, qui contrôle tout, donc qui permet l'épreuve dans nos vies, comment concilier ce fait que, le, alors qu'on peut être de bon croyant et Dieu permet de mauvaises choses dans nos vies, où est la justice de Dieu là-dedans? Et ça devient un problème. Et on se pose des questions comme Job se pose des questions. En fait, Job est de la même nature que nous. Et le livre de Job tente de répondre à ces questions qu'on se pose. Et le livre de Job, on voit que Job est un homme qui avait tout, qui a tout perdu. Et il y a le livre, c'est trois, trois rondes avec ses trois amis ou ses amis, tente de trouver la faille dans sa vie, tente d'expliquer pourquoi Job est éprouvé en disant il y a du péché dans ta vie, il y a quelque chose. Et Job tente de se démener en disant le problème, c'est n'est pas moi, c'est Dieu. Et Job remet en question la justice de Dieu. Et une des choses, quand on lit le livre de Job, c'est un livre quand même qui est relativement long, 42 chapitres, et c'est écrit en poésie. Et on se pose la question, mais pourquoi 42 chapitres en poésie euh, Moi, habituellement, je ne parle pas en poésie. Et tu te poses la question, pourquoi le livre de Job est écrit en poésie Je répondrai par ceci. Fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grande voile. Et j'ai glissé sous le vent. Fait comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile. Je l'ai suivi un instant sous le vent. Pourquoi la poésie? Parce que la poésie a la capacité d'exprimer des émotions profondes. Hein, les plus grandes chansons d'amour sont en poésie. Et de la même manière, la poésie peut exprimer la souffrance de Job et 42 chapitres parce que. Ça prend du temps avant d'absorber les vérités bibliques. Ça fait au-delà de 25 ans que je suis Jésus, puis il y a des vérités que je connais là, mais qui ne sont pas encore là. C'est comme si tu as un rendez-vous avec ton médecin, puis le rendez-vous précédent, ton médecin t'a dit que tu as une carence en vitamines et tu n'es pas très discipliné, tu n'as pas pris tes vitamines, et la veille de ton rendez-vous chez le médecin, tu te gaves des vitamines. Maintenant, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ton corps n'a pas la capacité d'assimiler. Autant de, de, autant de vitamines. Job n'a pas la capacité d'assimiler ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Ça prend du temps. Et pour les chrétiens, c'est l'histoire d'une vie où jour après jour, on assimile les vérités bibliques, mais ça prend du temps. Peut-être Job se pose la question, mais où est Dieu? Peut-être tu t'es éprouvé, peut-être tu te poses la question, où est Dieu? Dieu est là. Et alors qu'on parle de où est Dieu, euh, j'aime cette histoire des, des deux enfants qui sont vraiment tannants. Et les, les parents n'ont pas de solution, puis les parents décident euh, de les amener voir le pasteur. Parce que le pasteur, euh, soi-disant, du succès. Hein. Donc, on, on amène. Puis le pasteur dit la condition, c'est que je veux les voir, pas en même temps, un à la suite de l'autre. Donc, le premier enfant a son rendez-vous à l'église, qui n'est pas très loin de la maison. Il se rend. Et dans le bureau du pasteur, le pasteur le regarde et lui dit Où est Dieu L'enfant il sait pas quoi répondre à ça. Le pasteur le regarde. Où est Dieu Le pasteur le regarde une troisième fois dit Où est Dieu Le jeune part en courant, arrive à la maison, va dans sa chambre, se cache sous le lit. Son frère vient le voir, lui dit Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Le jeune frère lui dit On a un problème. Ils ont perdu Dieu puis ils pensent que c'est nous qui l'avons. Maintenant, Job cherche Dieu. Peut-être que tu cherches Dieu dans ta vie. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est quel est le plan de Dieu? Dieu a-t-il un but dans nos épreuves, dans nos souffrances euh, quotidiennes, dans nos, nos les péripéties quotidiennes? Est-ce que Dieu a un but? Ou est-ce que ce qui nous arrive, c'est un peu comme l'éclair, la foudre qui tombe au hasard? Non, nous croyons que le Dieu de la Bible contrôle toutes choses. Et dans le livre de Job, il y a un autre personnage qui arrive. Et c'est dans cette section qu'on va aller. Donc, Job 36, le verset 5. Il y a un jeune homme qui s'appelle Elihu qui apporte une nouvelle perspective. Hein? C'est le titre de notre, de notre série une nouvelle perspective sur la souffrance. Et voici un petit verset pour aujourd'hui. Job 36, le verset 15. Et voici ce qu'Elihu dit. Et, et c'est le premier puis c'est le seul. Il le dit. Et Eliou prépare le chemin de Dieu. Immédiatement après le discours d'Eliou, c'est Dieu qui va intervenir dans l'histoire. Et voici, la théologie d'Eliou se résume à ce petit verset, Job 36, le verset 15. Il dit, Mais Dieu délivre le malheureux par son malheur même et c'est par la souffrance qu'il l'avertit. En fait, ce ou dit, c'est que Dieu, dans sa grande compassion et dans sa grâce, utilise l'épreuve pour former quelque chose en nous, pour nous instruire. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Maintenant, cinq questions pour trouver le but de Dieu dans ton épreuve. Et la première question, lorsqu'on est éprouvé, on se pose la question mais pourquoi Dieu permet Ce n'est pas la première question que tu dois poser. La première question que je veux te poser, et c'est la question la plus importante, c'est une question fondamentale. Lorsqu'il t'arrive quelque chose, la première question que tu dois te poser, et c'est la question que je te pose aujourd'hui, es-tu un enfant de Dieu? Parce que ton identité détermine la nature de ton épreuve. Si tu visionnes cette prédication et que tu n'as pas fait la paix avec Dieu par Jésus, la Bible dit que lorsque nous ne sommes pas un enfant de Dieu par nature, par naissance, 100% des êtres humains sur la terre naissent en étant rebelles à Dieu. Nous naissons en étant ennemis de Dieu. C'est pourquoi Dieu a envoyé un sauveur, un médiateur en Jésus. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu n'est pas ton ami. Par ton péché, tu as offensé Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu est sur nous par nature. Reste avec moi, j'ai une bonne nouvelle, mais c'est important que tu comprennes. Premièrement, la Bible dit qu'il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est pourquoi que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Pourquoi est-ce que je t'enseigne ça Parce que si tu n'es pas chrétien, probablement que ta conception de Dieu vient de la culture et non pas de la parole de Dieu. Souvent le, le, le Québécois ou le Français moyen voit Dieu comme une sorte d'être impersonnel. Beaucoup croient un Dieu impersonnel. Le problème avec ce Dieu-là, c'est que s'il est impersonnel, il n'a pas de volonté. Il ne peut pas t'aimer. Il n'a pas d'intention. Il n'a pas de but dans ta vie. Un peu comme l'électricité, je n'ai pas de relation personnelle avec l'électricité. Lorsqu'il y a une panne de courant à la maison, je ne me pose pas la question, pourquoi est-ce que l'électricité m'en veut? Parce que l'électricité est une force impersonnelle. L'électricité ne peut pas m'aimer. Je n'aime pas l'électricité. En fait, j'apprécie les bienfaits de l'électricité, mais je n'aime pas payer mon compte d'électricité. Je n'ai pas une relation, je ne prie pas l'électricité. Et plusieurs personnes voient Dieu comme une force impersonnelle, comme l'électricité. Alors que la Bible dit que le Dieu de la Bible, le créateur du ciel et de la terre, est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui t'aime. C'est un Dieu qui a un plan pour ta vie. C'est un Dieu qui a envoyé Jésus pour toi. C'est un Dieu que tu peux adorer. C'est un Dieu à qui, tu, à qui tu peux faire confiance. C'est un Dieu fidèle. Et c'est pourquoi cette question elle est fondamentale. Et si ta réponse, c'est si oui, je suis un enfant de Dieu, ça change tout. Parce que la Bible dit que Jésus est venu pour nous réconcilier. Nous qui étions ennemis, il est venu pour nous réconcilier avec le Père. La Bible dit... Que Jésus, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui à la croix. Si tu réponds oui, je suis un enfant de Dieu, ça veut dire que l'épreuve dans ta vie n'est pas un châtiment divin. Pourquoi? Parce que le châtiment qui te revient est tombé sur Christ à la croix. La Bible dit que Jésus nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu n'est pas contre toi. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas peur de Dieu. Parce que la Bible dit que l'amour parfait bannit toute la crainte. Donc, la question la plus importante, c'est, Dieu est quoi pour toi? Si tu es son enfant, il est ton père et il ne t'envoie pas une épreuve pour te juger ou pour te condamner. Lorsque ma, ma fille était bébé, j'ai eu la, la géniale idée un jour de couper ma barbe. Donc, j'ai coupé ma barbe, je suis arrivé dans la chambre de, de ma petite. Et lorsqu'elle m'a vu, elle a éclaté en sanglots, elle était en crise, elle ne me reconnaissait pas. Pour elle, j'étais un étranger. Il a fallu que je la prendre dans son petit lit, puis je la, je la colle contre moi. Et là, tout à coup, elle a réalisé que c'était moi. Maintenant, qui est Dieu pour toi? Est-ce que Dieu est un père ou est-ce que Dieu est un étranger? Un jour, un jeune, et je l'ai déjà raconté, un jour, un jeune se fait arrêter pour excès, excès de vitesse au volant. Et ça faisait plusieurs fois que ça, ça arrive. Donc, on l'amène devant un juge. Et euh, lorsque le jeune voit le juge, il, il se réjouit parce qu'il se dit, c'est mon père. Son père est juge. Donc, c'est pas parce que ton père est juge que le fils respecte la loi. Donc, il se dit, hey, cool, comme on dit au Québec, c'est mon père. Mon père est juge, donc j'aurai un passe-droit. Lorsqu'il arrive, son père le regarde. Mais il a maintenant un rôle de juge. Il lui dit, fiston, en tant que juge, j'ai la responsabilité de te condamner. Je ne peux pas, si je te laissais partir sans sanction, je serais un mauvais juge. Dieu n'est pas un mauvais juge. C'est pourquoi il doit traiter le péché, il doit traiter le mal. Mais le juge dit, en tant que juge, je te condamne à payer 10 000 dollars. Donc c'est tout, tes contraventions passées. En tant que père, voici, je fais le chèque à ta place. C'est exactement ce que Dieu a fait en Jésus. Jésus a payé notre dette. Donc, lorsqu'il t'arrive un pépin, lorsqu'il t'arrive un imprévu, lorsqu'il t'arrive un accident, un incident, lorsque tu as un diagnostic, le chrétien sait que ce n'est pas un jugement de Dieu sur sa vie parce que Dieu n'est plus son juge, il est son père. Et quelqu'un devrait dire Alléluia à la maison. Donc, es-tu un enfant de Dieu? Quand tu as répondu à cette question-là, tu peux te poser la deuxième question. Quelle est la nature de mon épreuve? OK, reste avec moi. J'ai des choses vraiment profondes à t'enseigner. Une épreuve peut avoir plusieurs natures. Premièrement, Dieu n'est plus le juge du chrétien, mais Dieu punit quelquefois. Il y a des épreuves sur les non-croyants qui sont des épreuves punitives. Lorsqu'on se moque de Dieu, lorsqu'on blasphème Dieu, Dieu n'est pas mort et on ne se moque pas de Dieu et quelquefois, Dieu intervient. On le voit dans la Bible avec Hérode qui est foudroyé, qui meurt, Renanias et Sapphira, qui sont de faux chrétiens. C'est pas des chrétiens, des chrétiens de non seulement. En fait, c'est des païens christianisés. Et alors qu'ils blasphèment Dieu, ils sont foudroyés. Je ne dis pas que Dieu ne punit pas. Je dis que Dieu ne punit pas le chrétien. C'est très, très différent. Il y a plusieurs années, j'étais dans une émission de télévision. Je ne la connaissais pas et euh, c'est une émission où on, on avait dit, la recherchiste avait dit que c'était pour parler de Dieu. Et lorsqu'on arrive là, il euh, y a des gens qui, qui, qui sont vraiment complètement ivres. C'est un bar. Euh, D'un côté, il y a les, les drag queens qui se préparent, il y a les animateurs. il y a des gens qui font... C'est la pagaille. Et là, on comprend que c'est le, le, le plateau de télévision. Donc, on nous met en avant. Et alors qu'on pensait, parce qu'il y avait d'autres pasteurs, il y avait un prêtre, pis... alors qu'on pensait devoir parler un peu de la foi de manière positive, on, on, on se rend compte, c'est une nouvelle émission, que le but, c'est de se moquer. De la Bible, de se moquer de Jésus. Et là, il y a des humoristes qui viennent euh, faire des chansons grivoises, blasphématrices sur Dieu, sur Jésus. Et, et là, on, on se moque, on se moque, on se moque. Et je me souviens, l'animateur était particulièrement virulent. Et lorsque je suis retourné, j'ai dit à mon épouse, qui était ma fiancée à l'époque, j'ai dit Notre Dieu est un Dieu plein de grâce et de compassion, mais la Bible dit qu'on ne se moque pas de Dieu. Et je lui ai dit Je crains pour cet homme. Et dans les mois qui ont suivi cet homme a été pris dans un scandale sexuel incroyable, sa carrière a été pulvérisée. On ne se moque pas de Dieu. Donc oui, quelquefois, l'épreuve, elle est punitive. Mais si tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas ton cas. Et si tu n'es pas un enfant de Dieu, confie-toi en Jésus, fais la paix avec Dieu, en Jésus. Maintenant, la Bible dit que Dieu ne punit pas ses enfants, mais la Bible dit que Dieu corrige ses enfants. Écoute-moi bien. Il y a une différence entre une punition et une correction. C'est deux choses différentes. Le parent chrétien ne punit pas son enfant, il le corrige. C'est quoi la nuance? La punition, c'est une conséquence pour lui faire mal suite à une mauvaise action. Le but, c'est de lui faire payer le prix. La correction a une intention totalement différente. La correction, le but, c'est de corriger le comportement pour qu'il s'améliore. Dieu permet des choses dans ta vie, non pas pour te punir parce que tu as mal fait, mais pour te transformer, pour te corriger, pour produire quelque chose de bon dans ta vie. Il y a des épreuves que Dieu permet dans ma vie qui m'ont transformé. Donc, la punition, pardonnez-moi, pas la punition, euh, l'épreuve peut être corrective. Comme un père qui aime ses enfants, Dieu corrige des choses. Quelquefois, Dieu permet des choses et l'épreuve peut être préventive. Lorsque j'entends parler des, des scandales à droite et à gauche dans les églises, ce que je dis toujours à notre équipe de pasteurs, c'est que c'est un avertissement pour nous. Que celui qui est debout prenne garde de tomber. Il y a des choses dans le ministère que j'ai fait que je ne veux pas refaire. Là, je ne parle pas de scandale, évidemment. Il y a des erreurs que j'ai faites. Dieu a permis des choses. Il y a des épreuves dans le ministère que j'ai vécues, justement, pour m'améliorer. Il y a des choses avec mon épouse. Il y a des crises qu'on a vécues. Et ces épreuves-là sont préventives. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on a un désaccord, on se dit, on ne veut pas retourner là. Donc, Dieu permet des choses. Mais surtout pour le chrétien. L'épreuve, elle est toujours formative. Toujours, toujours, toujours. L'apôtre Paul va dire que Dieu a permis qu'il ait une écharpe dans la chair, et les commentateurs disent c'est possiblement une maladie, afin qu'il ne s'enfle pas d'orgueil, afin qu'il reste humble. Dieu, l'apôtre Paul qui avait plein de dons, qui avait du succès dans le ministère, Dieu a permis une épreuve afin que l'apôtre Paul demeure dans la dépendance envers Dieu. Quelqu'un dit... Toutes nos afflictions sont sagement prescrites par le grand médecin. C'est John Piper qui dit, Dieu ne gaspille jamais une souffrance. J'ai dit dernièrement à l'Église, qui est ici? Parce que souvent les gens, on voit les preuves, c'est toujours négatif, négatif, négatif. Puis on pense que les preuves, il y a des gens qui s'éloignent de Jésus à cause d'une épreuve, mais ce n'est pas la majorité. Je posais la question dernièrement, dans l'Église, qui ici t'a eu une épreuve qui t'a rapproché de Dieu? Et des centaines de mains, de mains se sont levées. J'ai posé une deuxième question. Qui ici t'a vécu une épreuve qui t'a transformé? Encore une fois, des centaines de mains se sont levées. J'ai posé une troisième question. Qui ici t'a vu quelqu'un autour de toi passer au travers d'une épreuve? Et la manière que Dieu l'a préservé dans sa grâce, dans l'épreuve, ça t'a inspiré. Encore des centaines de mains. Donc, notre Dieu est à l'œuvre. L'épreuve n'est pas plus grande que le plan de Dieu pour nos vies. Et c'est la troisième question que tu dois te poser. En quoi cette épreuve que tu vis, au lieu de dire qu'elle va t'éloigner de Dieu, en quoi cette épreuve peut te rapprocher de Dieu? Okay, écoute bien, l'épreuve peut faire deux choses. Et quand je parle d'épreuve, encore une fois, je réitère, je ne parle pas toujours de, de grandes épreuves. Je parle des, des, de la souffrance, des, des petites souffrances du quotidien. Ça peut être une petite épreuve, une grande épreuve, peu importe, c'est peu importe la difficulté dans ta vie. Dieu est souverain sur cette difficulté. Mais toute difficulté a toujours la capacité de faire deux choses dans ta vie. Elle peut soit te cacher Dieu. Hein, C'est comme l'été tu as le beau soleil, il y a le petit nuage, minuscule, mais il te cache tout. Hein, Lorsqu'on a une petite difficulté, elle nous cache, on dirait, toutes les bontés de Dieu. On peut être béni, on a un toit sur la tête, on a plein de choses autour de nous. Dieu pourvoit nos besoins, nous sommes en santé, mais le petit nuage cache le soleil de sa bonté. Et on pense que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'est pas là. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Plusieurs années, euh, mes deux enfants se sont fait retirer les amygdales en même temps. Donc, nous, on s'est dit on va tout faire en même temps. Donc les deux devaient se faire retirer les amygdales. On, on va à l'hôpital, les deux partent pour l'opération puis ça se faisait comme vraiment en même temps. Et lorsque les enfants sont sortis de la salle d'opération, euh, on a vu les deux lits passer. On les a mis dans la salle de réveil et mon épouse et moi on était de l'autre côté de la porte. Puis les portes sont battantes donc ils t'entendent tout. Et là tout à coup on a commencé à entendre nos enfants, nos enfants qui disaient papa. Puis là, il, il, nos enfants qui pleuraient, qui nous appelaient. Mon cœur de père était en mille morceaux. J'avais simplement le goût de passer au travers la porte, prendre mes enfants pour les sortir de là. Mais si j'avais fait ça, ça n'aurait pas été pour leur bien. Donc, c'était une épreuve, mais ils devaient rester là. Donc, il y a un temps, il y a un délai pour leur bien. S'assurer que tout est correct. Que... Mais eux, l'autre côté, pensaient qu'on les avait abandonnés. Et toi, dans l'épreuve, tu cries à Dieu, tu penses que Dieu ne t'entend pas, mais Dieu a le cœur brisé par nos souffrances, Dieu a le cœur brisé par nos épreuves. Et ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas comme tu veux que Dieu n'entend pas, Dieu est là. Mais Dieu, qui est parfaitement sage, quelquefois, permet des choses, permet des délais, parce qu'il sait qu'ultimement, ça va concourir à notre bien. Et on ne le comprend pas. Et je suis honnête avec toi, frère, sœur, ami, il y a des choses qu'on va seulement comprendre au paradis. Mais l'assurance que nous avons maintenant, c'est que Dieu est en contrôle, qu'il est fidèle. Et c'est pourquoi le chrétien, lorsqu'il est éprouvé, nous disons, Seigneur, cette épreuve, pourquoi est-ce que je peux passer au travers? Parce que je sais qu'elle a la capacité de te révéler. En passant, quelle est l'histoire qu'on connaît le plus sur le christianisme. Quelle est l'histoire que les non-chrétiens connaissent le plus sur Jésus? Une histoire qui n'est pas biblique. C'est quoi l'histoire qu'on entend le plus? Il hein, y a même des cadres qui sont faits là-dessus, tu peux retrouver ça sur Internet. Il y a des posters qui sont faits là-dessus, même des non-chrétiens qui, non qui ont ça à la maison. C'est quoi? C'est la fameuse histoire, hein? les traces dans le sable. Tu connais l'histoire, c'est pas une histoire biblique, mais c'est une histoire qui exprime bien que Dieu est là dans l'épreuve. Un homme qui, qui a un rêve et voit des traces de pas sur le sable, puis voit, puis la connaît mais quand même, je te le rappelle. Voit simplement une paire de pas. Et regarde ça, et tout à coup, se plaint à Dieu. En fait, il se plaint à Jésus en disant J'ai remarqué que dans les moments les plus difficiles de ma vie, il n'y a pas deux paires de pas, il y a une seule paire de pas. Pourquoi est-ce que dans les moments les plus difficiles de ma vie, tu ne marches pas avec moi? Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné dans ces moments où j'avais le plus besoin de toi? Et le Seigneur de répondre simplement, mon enfant, dans les moments les plus difficiles de ta vie, je ne t'avais pas abandonné, je te portais dans mes bras. Wow! C est, c est, cette histoire résume notre Dieu, ce que Jésus fait dans nos vies. Comment c'est paradoxal que... Les non-chrétiens connaissent cette histoire, mais que nous, les chrétiens, oublions comment Dieu est toujours présent dans les périodes les plus difficiles de nos vies. Tu peux dire emmène à la maison, parce que ça t'amène un choix. Est-ce que tu vas laisser l'épreuve t'éloigner de Dieu ou te rapprocher de Dieu C'est le pasteur Spurgeon qui disait écoute bien, j'ai appris à embrasser la vague qui me jette contre le rocher des siècles. Wow. Alors, ce que Spurgeon dit, c'est que des fois, là, il y a une vague qui arrive dans la vie. Puis la vague, un peu comme un petit bateau qui est là ou te, te, te projette sur le rocher. J'ai appris à reconnaître la valeur de la vague, de l'épreuve, parce que l'épreuve, la vague a la capacité de me rapprocher de Jésus. Wow. Quatrième question pour trouver quel est le but de Dieu dans ton épreuve. Premièrement, es-tu un enfant de Dieu? Deuxièmement, quelle est la nature de ton épreuve? En quoi cette épreuve peut te rapprocher de Dieu? En quoi cette épreuve t'amène à, à ressembler plus à Jésus? Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas que tu sois prospère, riche et en santé, c'est que tu ressembles encore plus à Jésus. Et si ce faisant, Dieu permet que tu aies du succès, que tu aies un compte de banque bien garni, que tu sois en santé, gloire à Dieu. Mais si ce n'est pas le cas, gloire à Dieu pareil, parce que le but ultime, c'est de ressembler à Jésus. Et le problème des chrétiens, c'est que on voit la souffrance comme étant quelque chose d'étranger à la vie chrétienne. Okay, écoute bien. Écoute bien. Tu es prêt? La maison, le monte le son. monte le son. Tu as besoin d'entendre ça. Parce que personne ne te dit ça. La télévision n'enseigne pas ça. Les YouTubers n'enseignent pas ça. Les influenceurs n'enseignent pas ça. Même beaucoup de pasteurs enseignent pas ça. La souffrance n'est pas étrangère au plan de Dieu. Je le répète. La souffrance n'est pas étrangère au plan de Dieu. Prends une concordance. Tape le mot souffrance. Tu vas être surpris. La Bible dit de Jésus Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Wow! La Bible dit que la souffrance raffine notre foi. La souffrance purifie ta foi et la rend plus authentique, plus solide. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Dieu nous a donné la grâce de souffrir pour Jésus. D'ailleurs, même quand les apôtres, à un moment donné, on leur empêche de prêcher Jésus, puis ils continuent à le faire, on, on, va, on va les battre. Et la Bible dit, ils sortirent de là tout joyeux parce qu'ils avaient été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Ils sont fous. Ah, on les bat, ils sortent de là tout joyeux. Pourquoi? Pourquoi tu es joyeux? Parce que Dieu nous a trouvés dignes de souffrir pour le nom de Jésus. Est-ce qu'on s'entend que c'est un niveau de maturité chrétienne qu'on voit peu? Et la Bible dit que cette souffrance, Dieu fait une œuvre. La Bible dit qu'après avoir souffert peu de temps, le Dieu de grâce vous transformera lui-même et vous rendra inébranlable. Donc, quand tu souffres, ne crois pas que Dieu t'a rejeté. Non, ça fait partie du plan de Dieu. J'aime beaucoup ce que Elisabeth Elliot a dit. Elisabeth Elliot, et avec son mari sont partis missionnaires en Amérique du Sud, en Équateur, dans une tribu qui n'était pas rejointe. Et une tribu très, très hostile, Ils sont arrivés là-bas. Et la tribu a tué son mari. Et ce qu'Elisabeth Elliot a fait... Elle est retournée dans cette tribu, continuer l'œuvre qu'elle avait commencée avec son mari. Et, et Dieu lui a fait grâce, puis il y a des gens qui sont venus à Jésus. Puis, puis elle a fondé une église, puis l'œuvre de Dieu s'est faite dans ce village. Ce même village, les mêmes hommes qui ont tué son mari, elle est venue apporter la bonne nouvelle de la grâce de Jésus. Et Elisabeth Elliot a écrit la chose suivante Ok, tu as monté le son, j'espère que tu as laissé le son, tu as laissé le volume haut, parce que ça, ça c'est puissant. Ça aussi, tu ne l'entends pas beaucoup aujourd'hui. Dieu ne te protégera jamais de ce qui te rendra plus comme Jésus. Aïe. Dis pas, amen, z aïe. Dieu ne te protégera jamais de ce qui te rendra plus comme Jésus. Alors, nous, on dit, pourquoi, pourquoi, pourquoi? Dieu dit, ça va te rendre plus comme Jésus. Donc, Dieu, dans son plan parfait, qui est de nous rendre plus comme Jésus, dans sa perspective, il y a des choses que Dieu permet. Et par passant, j'aime pas la souffrance. Je veux pas souffrir. Je vais simplement t'enseigner ce que la parole de Dieu dit. La souffrance n'est pas étrangère au plan de Dieu. Et souvent de fois, on pense que Dieu devrait nous protéger de plein de choses. Et le, le but absolu de Dieu, c'est pas notre protection, c'est notre transformation. Je rappelle, je le répète, le but absolu de Dieu, c'est pas ta protection, c'est ta transformation. Et ce faisant, sa main de protection est sur toi. Il va protéger ton âme. Ça, c'est clair. Mais tout le reste, Dieu n'a jamais, jamais promis qu'il protégerait tout le reste. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas. Ça veut juste dire que dans l'échelle de Dieu, dans la hiérarchisation des priorités divines, la chose la plus importante, c'est ta conformité à Jésus. J'ai presque terminé. Cinquième question que tu dois te poser pour trouver un sens à ton épreuve, pour voir quel est le but de Dieu dans ta souffrance, dans ton épreuve, dans tes difficultés. Et là, je vais être très concret. Est-ce que tu fais une bonne application des vérités bibliques? OK. Ça n'a pas l'air concret, mais c'est vraiment concret. Le livre de Job parle beaucoup de la sagesse. Hein? C'est quelque chose qui manque beaucoup aujourd'hui. C'est quoi la sagesse? La sagesse dans la Bible, c'est l'application de la connaissance biblique. C'est-à-dire les vérités bibliques qu'on applique. Hein, tu peux savoir plein de choses. On connaît tous des gens qui sont très intelligents, qui ont la tête pleine, mais qui se comportent comme des stupides. C'est le proverbe qui dit ça, le stupide. Il hein, y a des gens qui, ont, qui savent plein. De, tu peux avoir trois doctorats, mais pas savoir vivre. Et on voit ici que c'est important de comprendre comment appliquer la connaissance biblique. C'est ça la sagesse. C'est quoi la différence entre la connaissance et la sagesse? Quelqu'un dit... La connaissance, c'est de savoir que la tomate est un fruit. Est-ce que tu savais ça? Je ne sais pas comment ça en Europe, mais au Québec, on a l'impression que c'est un légume parce que la tomate, on la traite comme un légume. Mais la connaissance, c'est de savoir que la tomate n'est pas un légume. La tomate, c'est un fruit. Ça, c'est de la connaissance. Mais maintenant, la sagesse, c'est de savoir qu'il ne faut jamais mettre une tomate dans une salade de fruits. Tu vois? C'est bien de savoir que c'est la tomate est dans la catégorie fruits, mais la sagesse te dit mets pas ça avec des fruits. Et c'est important. La Bible n'est pas simplement là pour notre connaissance, mais le Saint-Esprit veut t'amener à l'appliquer, cette connaissance. Il y a un couple qui a, qui a perdu leur petite fille, histoire vraie, perdu euh, la petite fille est décédée du cancer. Puis le père me disait qu'au euh, au salon funéraire, tout juste avant les funérailles, il y a des chrétiens qui venaient le voir, puis, puis bien intentionnés, bien intentionnés. Mais on lui donnait des versets bibliques pour l'encourager, puis une des choses qu'on lui disait souvent, c'est que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu est une vérité biblique? Oui. Est-ce que c'est important d'avoir la connaissance biblique que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Oui. Est-ce que de donner ce verset à quelqu'un qui vient de perdre sa petite fille de 8 ans du cancer et de la sagesse? Non. Bon verset, pas bonne application. C'est pas le bon moment. Le meilleur verset, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent, puis il y en a plein d'autres. Et souvent de fois, dans l'épreuve, tu as besoin d'appliquer. Et tu as besoin de comprendre qu'il y a une différence entre un principe biblique et une loi biblique. Qu'est-ce que je veux dire? OK. As-tu déjà entendu parler, par exemple, de la loi de la semence? Hein? Certains pasteurs vont dire c'est le temps des offrandes, apporte ta dîme apporte ta semence, puis tu vas avoir une récolte. Donc si tu donnes 1000 dollars, Dieu va te donner une moisson de 10 000 dollars. Hein, puis moi, quand j'entends les télé évangélistes américains dire "envoyez-moi un don, Dieu va vous bénir", j'ai le goût de leur dire ben, toi, envoie moi un don, voir ça fonctionne de l'autre côté". Mais ça, c'est un autre sujet. Et là, il y a des chrétiens qui sont fâchés contre Dieu parce que tu donnes ta dîme, parce que tu donnes l'argent, parce que tu fais la loi à la semence. Tu prends des versets qui disent que celui qui sème peu récoltera peu, et celui qui sème beaucoup récoltera peu, récoltera beaucoup. Et tu vois ça comme une loi. Mais ce n'est pas une loi, c'est un principe. Ça veut dire quoi? Une loi est toujours vraie. Si je monte sur le toit d'église et que je me lance en bas, si je fais l'expérience, je tente l'expérience 50 fois, il y a 50 fois où je finis à l'hôpital. Jamais à un moment donné, la loi de la gravité ne s'applique pas. Une loi biblique est toujours vraie pour tout le monde, tout le temps. Ça, c'est un principe. Il y a des gens qui sont fâchés contre Dieu parce que tu as l'impression que Dieu honore pas sa parole alors que tu as pris un principe et tu en as fait une loi. Mais c'est un principe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu honore la générosité. Mais ce n'est pas mécanique. Moi, à la maison, on a un problème avec notre pelouse. Donc, pour avoir une belle pelouse, je dois semer. Si je ne sème pas, je ne récolte pas. Mais c'est-tu quoi? Il y a des fois où j'ai semé et je n'ai pas récolté. Et le chrétien est généreux, puis quelquefois Dieu te bénit financièrement, mais quelquefois la bénédiction n'est pas financière. Donc, ne sois pas fâché contre Dieu parce que tu as pris un principe et tu en as fait une loi. Ça, c'est un manque de sagesse. Deuxièmement, quelquefois, on prend des passages bibliques et on en fait des promesses, alors que ce n'est pas une promesse. Puis on est fâché contre Dieu parce qu'on dit que Dieu n'a pas respecté ta promesse. Mais on reproche à Dieu de ne pas respecter des promesses qu'il n'a jamais faites. Par exemple, un des textes qu'on prend comme une promesse, qui n'est pas une promesse, qui est un principe, c'est élève l'enfant dans la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Si c'était loi, 100% des enfants des chrétiens seraient dans l'Église. Non, c'est un principe. Ça veut dire que c'est le principe général par lequel Dieu transmet la foi de génération en génération. C'est par une bonne famille chrétienne, un papa et une maman qui prie pour leur enfant et qui les élèvent dans les voies du Seigneur. Ça, c'est le plan normal de Dieu. Mais ce n'est pas, encore une fois, chaque enfant est responsable de sa foi. Donc, si ton enfant n'est pas au Seigneur, tu ne peux pas reprocher à Dieu de ne pas respecter sa promesse. Parce que quand Dieu fait une promesse, il la respecte toujours. Par contre, Dieu a un plan pour nos enfants. Hein, on voit dans la Pentecôte, acte 2, où ça dit, lorsque Pierre va prêcher l'Évangile, il va dire, « La promesse est pour vous et pour vos enfants. » Le chrétien, le pape de la chrétien chrétienne, croit que Dieu l'a sauvé mais qui veut sauver sa descendance. Euh, L'apôtre Paul va dire dans Corinthiens 7 que les enfants des, des chrétiens sont saints. Non pas dans le sens qu'ils sont sauvés, mais c'est-à-dire qu'ils ont un statut spécial devant Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Voici ce que le commentateur a dit. Vos enfants sont sanctifiés, donc, parce qu'ils ont un père ou une mère pour les conduire à Dieu dans la prière et leur enseigner la parole de Dieu. Et vous pouvez compter sur lui pour bénir ce ministère en les amenant finalement à Christ. Et quelquefois, on prend des principes bibliques et on en fait des doctrines. Combien de chrétiens sont fâchés contre Dieu parce que Dieu ne les guérit pas? On prend les versets en disant que c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Donc je devrais être guéri. Si Dieu ne m'a pas guéri, c'est qu'il y a un problème. Soit que je manque de foi, soit que Dieu est infidèle, mais il y a un problème. Mais ce passage d'Isaïe 53, par ses meurtrissures, nous sommes guéris, il parle de guérison spirituelle. Quelqu'un va dire, oui, mais le pasteur le psaume 103, dit, il est le Dieu qui te guérit de toutes tes maladies. Alléluia, frère, Alléluia, sœur. Dieu nous guérit de toutes nos maladies. Mais il n'a pas dit quand. Moi, je crois que 100% des chrétiens seront guéris de toutes leurs maladies à la résurrection des corps. Donc, Dieu n'a jamais promis de guérir tout le monde tout le temps. Dieu a promis un principe. Il honore la foi. Lorsqu'on prie les uns pour les autres, on impose les mains. Dieu, dans sa grâce, il peut guérir. Hein, j'ai quelqu'un, des fois, régulièrement, des gens qui me disent, « Mais moi, là, j'ai le don de guérison, puis quand je prie, là, tout le monde est guéri. » Ma réponse, est frère, sœur, dans ce cas-là, va à l'hôpital puis guéris tout le monde. Puis là, ben pas à ce point-là. Dieu est un Dieu de miracle, un Dieu souverain. Il fait ce qu'il veut. Mais la réalité, c'est qu'il ne guérit pas tout le monde. Même l'apôtre Paul. Donc, ne sois pas fâché parce que tu n'as pas reçu ta guérison. Dieu me promis. Non, 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 non. Dieu peut le faire. Mais Encore une fois, l'apôtre Paul. Imagine, on prenait des, 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 des linges qui avaient touché son corps. On les appliquait sur les malades. Les malades étaient guéris. Waouh! Mais même lui avait des problèmes de santé. Même Paul va dire, j'ai laissé Trophime malade à Milet. Lui qui guérit plein de gens, mais n'est pas capable de guérir ses collaborateurs. Il va dire à Timothée, même, à cause de tes problèmes d'estomac, bois du vin. Ah, oui, mais ça, moi Si j'étais à l'apôtre Paul, c'est. Donne pas, donne pas un conseil de boire du vin. Prie pour Timothée. C'est facile, ce bois du vin. Hein? C'est comme si tu viens me voir, tu as un besoin, puis au lieu de prier pour toi, je te dis bois du vin. Il y a du monde qui va dire, oh, que j'aime cette thérapie. Mais ça, c'est un autre sujet, encore une fois. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je prends le temps? De t'expliquer l'importance d'avoir la sagesse de bien appliquer les versets bibliques. Parce qu'il y a trop de chrétiens qui sont déçus de Dieu. Non seulement ils sont éprouvés, mais ils donnent accès au diable. Et dans l'épreuve, il y a une bataille à l'extérieur, mais il y a une bataille dans leur cœur. Ils sont déçus de Dieu. Moi, j'irais dire quelque chose. Euh, souvent, de fois, je mets de trop, de trop hautes attentes sur certaines choses. Par exemple, si euh, dernièrement, on a fait un voyage dans le Sud avec la famille, et je suis sur la plage, puis je suis fâché. Pourquoi? Parce que la plage n'est pas assez grande, l'eau n'est pas assez chaude, la chambre n'est pas assez confortable. Pourquoi? Parce que j'ai idéalisé ce voyage-là. On travaille tellement fort, puis là, la famille, on peut se retrouver ensemble pendant une semaine, puis tu t'idéalises. Ah, la même chose, dernièrement, pour le 25e anniversaire de mariage, j'invite mon épouse dans le centre-ville de Montréal, un super restaurant, super luxueux, l'hôtel à côté, c'est incroyable, on arrive là, il n'y a à peu près personne, il n'y a pas d'ambiance ordinaire. Quand... Le problème, souvent, c'est que j'ai des attentes irréalistes. Maintenant, on peut avoir une foi immense en Dieu. Mais souvent, on a des attentes que Dieu va agir selon ce que nous, on pense, alors que ses voix, nos voix ne sont pas ses voix. Hein? Quand quelqu'un me dit Non, mais Dieu m'a promis la prospérité, mon ami, Dieu ne t'a pas promis la prospérité. Pourquoi? C'est John Piper qui dit La prospérité ne peut pas être une preuve de la faveur de Dieu, puisque c'est ce que le diable promet à ceux qui l'adorent. Quand le diable a tenté Jésus, le 4, il lui a promis la prospérité. Aujourd'hui, la prospérité est une promesse du diable. Dans l'Ancien Testament, ce que tu vois, ça illustrait, c'est une, une bénédiction partielle qui illustrait la bénédiction totale, éternelle que nous avons en Jésus. On a déjà parlé de ça. Ça ne veut pas dire que Dieu ne peut pas te rendre prospère. Ça veut juste dire que Dieu n'a jamais promis de rendre tous les chrétiens prospères. Dieu guérit, mais Dieu guérit pas tout le monde. Sinon, tous les chrétiens vivraient jusqu'à 308 ans. ça, ouais, un des problèmes. Et, et là, je trouve mon cœur de pasteur. J'arrive à un moment donné dans un, une chambre, une chambre d'hôpital. Une sœur qui est là, la sœur a 80 ans. La sœur a le genre trois cancers, très malade, aucune qualité de vie. J'arrive là que les enfants me disent, euh, pasteur, Dieu nous a promis qu'il était pour la guérir. Ça, c'est un problème. Pourquoi? Le problème, ce n'est pas de croire que Dieu peut guérir. Vous savez, le chrétien, on, on espère toujours, on prie toujours pour le meilleur, mais on continue de faire confiance à Dieu même quand c'est le pire qui arrive. C'est quoi le problème? C'est que les chrétiens, quand on a un plan en tête, le, on pense que Dieu doit seulement agir dans ce plan-là, et tout ce qui est à l'extérieur, c'est comme si Dieu était infidèle. Par exemple, moi, en tant que pasteur, lorsque j'arrive à l'hôpital et quelqu'un est âgé, un frère, une soeur âgée, je vais toujours prier pour la guérison. Je vais faire deux choses. Mais l'autre chose que je vais faire, je ne veux pas vivre dans le déni. Je crois que Dieu peut guérir et je prie avec foi. Mais que cette soeur de 80 ans, je ne peux pas parler de son âme parce que si je parle de son âme, pour la famille, je manque de foi. Alors que... Le pasteur peut faire ce que personne ne peut faire. Lorsqu'on arrive, oui, je veux prier pour le miracle, mais ma job à moi, mon job à moi, c'est aussi d'avoir une discussion que personne ne peut avoir, puis de dire à la sœur, sœur, comment va ton âme? Si Jésus te rappelle à lui, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu est as hâte de serrer ton sauveur dans tes bras? Est-ce que tu as cette espérance inébranlable? de la vie éternelle. Est-ce que ton cœur est dans la paix Vous savez, on peut faire les deux en même temps. Hein? Le diable veut nous faire croire c'est un ou l'autre non. On peut prier pour le meilleur, mais on peut avoir plein de confiance dans le pire. Puis encore une fois, beaucoup de chrétiens sont déçus de Dieu et je termine. Où est la bonne nouvelle dans ton épreuve Donc, quelle est cinq questions pour trouver le but de Dieu dans ton épreuve Je les rappelle, es-tu un enfant de Dieu quelle est la nature de ton épreuve? En quoi cette épreuve peut te rapprocher de Dieu? En quoi cette épreuve t'amène à ressembler plus à Jésus? Est-ce que tu fais une bonne application des vérités bibliques? Où est la bonne nouvelle dans ton épreuve? Est-ce que tu es capable de voir la bonne nouvelle de la grâce, de la gloire de Dieu dans ton épreuve? L'épreuve est une mauvaise nouvelle, mais les chrétiens a la capacité parce qu'on sait qu'il y a plus dans l'épreuve. Il y a une mode dernièrement où des... Environnementalistes euh, vont dans des, des musées et vont euh, souiller, saccager des œuvres d'art. On a un exemple là, il y a quelques semaines où, à Londres, deux jeunes filles sont arrivées, il y avait un Van Gogh et on a lancé une canne de sauce tomate, de soupe tomate sur le tableau. Un, un chef-d'œuvre. Et en passant parenthèse, je comprends. Je comprends parce qu'il y a des gens qui sont tellement sensibles à l'environnement. Qui sont en train de dire, oui, mais si on ne prend pas soin de la planète, il n'y en aura plus d'œuvres d'art bientôt. Le problème, c'est que ces gens n'ont pas compris que tu ne peux pas faire le bien en faisant le mal. Fin de la parenthèse. Et lorsque j'ai vu ce, ce, ce tableau de Van Gogh, j'étais quand même un peu sous choc. J'étais choqué parce que je me dis, Wow! » c'est quand même. Puis il y a des œuvres d'art qu'on a depuis des centaines d'années, c'est des joyaux de l'humanité. Et là, comme ça, quelqu'un arrive, puis clac, c'est fini. Et dans le courant de la journée, le musée de Londres a fait une publication disant, euh, devant le tableau, il y avait une fine, une fine pellicule de verre, imperceptible à l'œil, à nu. Puis en fait, le tableau est intact. Seulement le cadre, là, il y a un petit peu, le, le, le cadre, il y a un petit quelque chose, mais, mais l'œuvre est intacte. Puis je me disais... Souvent, fois, pas souvent, de fois, toujours, c'est la même chose dans nos vies. À toi qui t'es éprouvé, à toi qui, à qui la vie a lancé une canne de conserve, une conserve de soupe tomate, tu sens que ta vie est est, est entachée, hypothéquée. Toi qui te poses la question, même, est-ce que, quelle est ma valeur dans cette épreuve La bonne nouvelle, c'est que Dieu préserve les siens. Il n'y a aucune épreuve qui peut arriver, qui va affecter ta valeur. Nous vivons toutes sortes de choses, nous vivons des drames, des incidents, des accidents, des divorces, des maladies. Mais le chrétien sait que, que le cadre, le cadre de nos vies peut être affecté. Mais ultimement, la Bible dit que nous sommes une œuvre d'art pour Dieu. Notre valeur n'est pas affectée. Peu importe ce qui arrive, Dieu nous préserve, Dieu nous garde. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il n'y a rien, ton corps peut être brisé, mais ton âme sera préservée éternellement entre les mains de Jésus. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour les frères et les sœurs des, du Québec, d'ailleurs, de la francophonie qui, qui écoutent les messages du portail. Seigneur, je te prie qu'on puisse toujours s'émerveiller par la bonne nouvelle de la grâce. Je prie pour les sœurs et les frères qui sont éprouvés. Je te prie que tu fasses, Seigneur, que tu amènes un, que tu fasses du bien à leur âme. Je te prie que tu puisses remplir leur cœur de paix, et de joie et de foi parce qu'ils sont enfants du Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je te prie qu'ils voient ta main dans l'épreuve. Je te prie qu'ils voient tes promesses, ton action dans l'épreuve. Qu'ils voient ta gloire dans l'épreuve. Qu'ils voient Jésus dans l'épreuve. Seigneur, je te prie que cette épreuve ne soit pas là pour les détourner de toi, mais soit là pour les rapprocher de toi. Je te pris pour la transformation, je te pris pour ta grâce, je te prie de les protéger, de les garder, de les rendre persévérants. Et qu'au travers eux, également que tu puisses inspirer des gens autour, même des non-croyants qui voient un chrétien qui est éprouvé comme les autres, mais qui agit différemment. Pourquoi? Parce que nous avons accès aux ressources d'en haut. Donc, je remets chaque personne qui est ici, particulièrement ceux qui sont éprouvés. Dernière prière pour nos amis. Qui écoutent cette prédication, qui n'ont pas fait la paix avec toi, je te prie par le Saint-Esprit de les, les attirer à Jésus. Jésus a dit Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Donc je te prie, Saint-Esprit, toi qui n'es pas limité, attire à Jésus. Père, nous te donnant toute la gloire qui te revient. Et tout le monde dit un grand et un fort. Amen. J'espère sincèrement que ce message a pu faire son chemin jusqu'à ton cœur. Si tu aimerais en savoir plus sur Jésus ou sur notre Église, n'hésite pas à nous écrire info à commercialéglise de .com et un membre de notre équipe te contactera le plus rapidement que possible. Cette invitation est également pour toi qui vis des défis, des souffrances ou bien si tu as simplement une requête de prière à nous partager. N'hésite pas, écris-nous, on va toujours être là pour toi. On tient aussi à vous remercier à vous qui contribuez. Merci de votre soutien à la mission de Jésus. C'est ainsi euh, que nous euh, contribuons à l'avancement du royaume de Jésus et à faire connaître son nom au travers des messages comme celui d'aujourd'hui. Donc, vous pouvez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire euh, directement via votre institution bancaire ou en nous écrivant, dont à commercial égliseaportail.com. Au nom de toute l'équipe et de moi-même. Pass in the next announcement.